Bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc, ce matin, on fait un pilates full body. J'ai comme fait des petites variantes que vous pourriez prendre des sliders ou des serviettes au sol pour glisser, mais c'est pas obligatoire, vraiment pas. Vous pouvez le faire sans glisser. Ça va juste rajouter un petit peu de difficulté au niveau de l'équilibre, puis ça va faire travailler votre core complet. De le faire avec ça, mais ce n'est pas obligatoire. Puis les petites serviettes, là, moi je disais ça avant, ça marche super bien. Tapis, puis petit poids aussi, parce que c'est un full body. Donc on va faire des bras en même temps de faire nos jambes, mais petit poids, genre moi je vais prendre des 3-4 livres. Bon matin, allô tout le monde! J'étais vraiment contente hier soir quand j'ai vu le full body. Très contente! Donc, je vous montre vraiment, vraiment rapido, puis après ça, on part. Fait que, comme je vous dis, prenez des poids petits parce que vous allez souffrir. Fait que le premier exercice, c'est de venir faire un sumo squat. On se passe plus large que les épaules et on front raise. Le deuxième, on va rester sur en sumo squat. On va se mettre à 90 degrés ici. Puis on va venir monter sur les deux orteils, lever les poids. Fait que ça demande beaucoup d'équilibre. Puis après 30 secondes, on va laisser les poids ici, puis on va venir faire des pulses. Ensuite, on va prendre un slider ou une serviette, ou pas pantoute. On va le placer sur un pied. On va mettre, dans le fond, mettre les mains dans les airs. Fait que j'ai les mains vraiment haut. Je vais essayer de me penser ici. Haut dans les airs, pour venir faire un curtsy. Quand je descends mes mains en même temps en triceps. Je vais faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Ensuite, je vais prendre mes deux sliders. Je vais venir mettre mes pieds encore une fois dessus. Cette fois-ci, je vais venir en close squat. Puis, je vais descendre ici. Je vais venir ouvrir un côté. Squeeze. Descends. Ouvre un côté. Fait que c'est un side raise, side slide. Ensuite de ça, on va laisser les poids ici. On va rester en hold. On va venir ramener la jambe en arrière. On va faire un cercle pour la ramener. On va forcer les abdos, forcer les fesses. Si tu le fais sans sliders, tu viens juste reculer ta jambe, la ramener ici en restant en hold. Ensuite, encore une fois, un seul sliders. On va venir faire un long lunge ici. On fait un bicep curl et on press dans le sol pour revenir. Lunge, bicep, press. On fait la même chose de l'autre jambe. Ensuite, pas de poids, on va mettre les deux pieds sur les sliders. On va se placer en bear hold, fait que les orteils quand même près du sol. On reste pour 3, recule une jambe, 1, 2, 3, recule l'autre jambe, 1, 2, 3, et ramène en bear hold, 3. Puis on alterne les jambes qui reculent en premier. Ensuite, on va se placer au sol avec un poids. On va venir amener la jambe opposée dans les airs, en levant le bras qui a le poids, on ouvre, on ramène, hop, retourne, ouvre, ramène, hop. Ensuite de ça, on va rester, laisser le poids au sol, laisser la jambe ici, on va venir faire des kicks. Après 30 secondes, on va descendre, laisser la jambe dans les airs, faire des cercles dans un sens, faire des cercles dans l'autre sens, puis on va se mettre en planche pendant 30 secondes. Sur juste une jambe, on va rester ici pour 30. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Fait que vous voyez que les sliders sont comme optionnels, sont intéressants, mais c'est pas vraiment pas obligatoire. Puis ça va travailler même si vous n'avez pas, c'est juste que ça ajoute une petite touche. Fait qu'on part, c'est les 5 minutes que j'explique, c'est suffisant. Il n'y a pas d'échauffement, on va s'échauffer avec les premiers exercices. Bon lundi matin! Fait que je pars ma musique, je pars le chrono. Puis on passe avec nos sumo front raise. Gardez vos sliders pas trop loin, mais pour les deux premiers, vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez vos poids, on part avec nos sumo front raise. Ah super, j'ai quand même un bon passe. Ok, maintenant on passe dans le mur. Let's go! Sumo et front raise quand tu descends. Swing tes fesses.
Fait que ça va être 14 minutes. Si t'es game de le refaire après ça ou si t'as pas le temps, je comprendrai. Si t'as le temps, l'énergie, on reste pour 15 autres minutes. 14 en fait. Fait que ça fait 29 minutes de workout pile poil au total avec la pause. Essaye de s'écouter tes fesses au maximum. Ça va être beaucoup d'équilibre aujourd'hui. Puis, quand même, nos bras vont forcer, nos épaules. J'espère que vous avez eu un beau week-end. Encore 10 secondes ici. Moi, j'ai eu un week-end vraiment occupé. Social, mais pas trop, tu sais. On reste ici en hold, tourne les mains, 90 degrés, monte sur les orteils, monte les mains, retourne, monte, retourne. Tu restes toujours en hold, bas. Je sais que si ça demande beaucoup d'équilibre, ça travaille dans les cuisses. On en fait un dernier. On va laisser les poids ici, puis on va venir pulse. Ça chauffe. J'avais dit qu'on échaufferait rapidement nos jambes. On lâche pas pour 10. Descends tes fesses, garde ton dos droit. Ici, c'est pour échauffer dans les cuisses. Autant à l'intérieur que les quads. Excellent. Prends un seul slider. Viens faire des curves ici. Si on descend, je vais devoir vous voir. Mais pour finir, on descend les bras en même temps, toujours dans la même jambe. Descends bien dans ta fesse. Dernier ici. Change de jambe. Fixe un point devant toi. Encore 10. Dernier. Super. Maintenant, prends tes deux sliders. Fais-toi coller. Viens descendre. Slide. Squeeze. Close. Slide. Squeeze. Fait que ouais, beau week-end, j'étais en vélo hier aussi, j'ai joué au tennis avec mon ami, on s'est dit, on joue genre 45 minutes, une heure, là. Les deux on était fatigués quand même, mais je crois qu'on joue au tennis, on se parle, t'sais, tout, fait que c'est le fun. Notre chum, il reste en maison avec les enfants, fait que c'est parfait. 10 secondes. Un dernier. Excellent. Reste ici, reste bas. Viens faire des cercles avec tes jambes. Fait que tu restes en hold. T'alternes les cercles de tes jambes. Sinon, tu peux faire des side to side. Juste sortir. Si t'as pas de sliders. Tu devrais faire le mouvement, mais sans les sliders. Fait que tu fais juste lever les jambes en restant bas. Ça travaille l'équilibre. Prends ton corps pour travailler aussi tes abdos. Travaille tes fesses en restant les fesses le plus bas possible. Dix secondes. Excellent. Un seul sliders. On va venir descendre très bas dans un lunge. Bicep press. Descends.
bicep, press. On fait une minute par côté. On descend le plus bas possible, on reste en bas pour notre bicep. De cette jambe-là. Super. L'autre jambe. Même chose. Lunge. Step. Press. Vraiment 90 degrés ton genou. Ça descend pas beaucoup, c'est pas grave. Seulement dans le genou, là. Descend pas beaucoup. Mais je t'en fais un petit peu plus parce que tu vas être plus rapide et tu vas aller moins bas. Allez, pour 10. Super. On met les deux pieds sur les sliders ou non. On s'en va en bear hold. Fait qu'on tape un pouce du sol au niveau des genoux. On tient pour 3, 2, 1. Une jambe en arrière. 1, 2, 3. Deux jambes. 1, 2, 3. Ramène dans la même jambe. 1, 2, 3. Ramène pour 1, 2, 3. Retourne. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, ramène, 3, 2, 1, compte dans ta tête, parce que moi aussi il faut que je respire, c'est pas facile cet exercice là, moins de 10, Ok, on se met sur notre tapis. On prend un poids qu'on lève en même temps que la jambe opposée. On amène sur le côté, on ouvre la jambe. Ramène. Hop. Ouvre. Ramène. Engage les abdos, garde le dos droit. Autant travailler tes abdos, ton épaule, ton dos, ta fesse. Allez, kick le plus haut possible. Pas de respirer. Prochain reste dans les airs. Fais des sets. Dans un sens, le sens que tu choisis. Lâche le bas. Plus haut, 10 secondes. Dans l'autre sens. Je sais que c'est tough, c'est meurtrier, les circles.
capable. Encore 10. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Viens en planche sur une seule jambe. Lève la jambe ici. Je suis dans le mur. Lève, reste pour ici. Encore 20. Ça lève pas, reste au sol. Pour 20. Prends les abs. Lève juste un petit peu la jambe. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On fait l'autre côté puis on a terminé. Let's go. On lève. On ouvre. Est-ce que ça commence à dégouliner? Ramène dans la routine après un gros. Parce que moi, c'était un gros week-end, je sais pas vous. Ça me fait du bien d'en prendre ma petite routine. Je me suis levée ce matin à 5h20, j'ai vidé mon lave-vaisselle, j'ai rangé ma maison, je vais partir travailler, je vais être comme. C'est une belle journée. Respirez, shakez. Jour 1 est full bien. Yes!
ça décrase après une semaine sans m'entraîner. C'est un bon workout de retour. Mettons que c'est intense. Original avec les sliders, j'adore. Yeah! Continue pour un deuxième round. Ouais, qu'est-ce qui reste pour un deuxième round? Enfin, je sais que c'est quand même intense comme workout, là, fait que ce serait correct si vous restez pas. Mais dites-moi si vous restez, puis on repart dans 15 secondes. OK? Fait que je vais remonter le volume. Et on fait un sumo front raise dans 5 secondes. Là, je monte le volume au max. Vous savez ce qu'on fait? Let's go! Sumo. Et squeeze. Je squeeze mes fesses comme s'il y avait un crayon entre les deux. Je voulais pas que ça tombe au sol. Donne tout à chaque exercice, c'est les derniers. C'est chaque fois la dernière fois que tu le fais. Like I'm so good, can nobody do it like you. You know, rap, give us a night. And ain't nobody in here stopping you. Show no love, cause you was snuff. Look at this, and you're like, what the fuck. Spine, all tourne les mains. Yes, go, point les orteils. Okay, I got a little fat butt. My shorty told me that he liking like that shit. I'm happy, another nigga never can. Ça demande de l'équilibre, so travail ton corps. Mon dos reste droit.
vitesse pour 20 secondes. Reste en haut, circle.
les 10 secondes. Tâche, c'est mon nom. Une dernière fois. Why are you so obsessed with me? Super. Descends au sol. Lève la jambe. Je dégouline. Je vais y rester, gang, parce que c'était quelque chose. Je suis tout mouillée. J'ai adoré. Yeah! Good job, Annick. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. De le faire avec moi, parce que moi aussi, je suis, hein. Genre, moi aussi, je travaille fort. C'est en live, hein. Je peux pas faire des dips pour faire comme... Ah, oh, là, c'est donc trop difficile, là. Je vais faire une petite pause. Genre, y'a pas d'édit dans ces workouts-là. Fait que je travaille autant que vous autres. Je sais que, tu sais, il y a du monde comme, parmi vous, là, c'est genre pas vos, c'est pas vos workouts préférés, puis vous le faites pareil, parce que vous savez que c'est efficace. Puis je suis encore plus fière de vous, parce que se sortir de sa zone de confort, là, des fois, c'est ça, c'est inconfortable. Mais ça vaut la peine, ton corps est content, après, c'est de la moraine. Fait que, parfait pour débuter la semaine. Là, trouve-moi un nom pour ça. Ah, piscine sur mon tapis, ça pourrait être ça. Ça pourrait être genre piscine sur mon tapis, le workout. Parce que moi aussi, une piscine sur mon tapis, ça n'a aucun sens. Fait que, bonne semaine, gang. Puis, on va se revoir très bientôt pour un autre workout suivant. Même si les températures se rafraîchissent dans nos gyms, ce n'est pas le cas dans nos maisons. Fait qu'on se revoit très bientôt. Merci d'avoir été là. Bye!